Je vais vous présenter là le coffret de la marque Toga, ma boîte à scrap, en vente sur votre site de loisirs créatifs, creapose.fr. Donc, comme la plupart des kits Toga, la boîte à scrap est contenue dans un joli petit coffret, donc une boîte cartonnée, qui permet déjà d'avoir un joli emballage pour l'offrir, et après qui permet de ranger en fait tout le matériel dans sa boîte et d'avoir sa propre boîte scrapbooking. Donc dans la boîte à scrap, qu'est-ce qu'on a? On a un tampon encreur, deux petits tampons mousse, un fleur et un qui reprend en fait le petit oiseau qu'on a sur la boîte d'emballage. Accessoires indispensables à toute bonne scrapeuse, un tube de colle. Des ciseaux, donc on voit là un motif. Hein, on voit que les lames sont travaillées pour faire de jolies bordures, de jolis découpages. Quand on creuse un petit peu plus, on a un alphabet et au dos, vous avez des étiquettes autocollantes. Un pochoir aux dimensions de 20 sur 20 avec 5 formes. 5 formes, donc pour faire après des encadrements, je ne sais pas si on le voit là. Voilà, donc ça vous permet de faire des choses travaillées. Dans cette pochette-là, vous avez 16 papiers différents. Je voulais vous montrer, voilà, qu'on ait une vision un peu plus. Voilà, les différents papiers. Après, on a de l'uni. Voilà, joli papier, jolie couleur. Mais c'est pas tout. Dans le kit, vous avez également l'album, donc l'album de scrap. Et dans l'album, donc c'est un album 20 sur 20. Et dedans, vous avez 10 pochettes plastifiées. Donc, ce qui vous permet par la suite de mettre vos futures pages de scrap. Dedans, il y a un petit tutoriel où on vous explique comment, avec les différents pochoirs, on peut faire donc des mises en page. Derrière, on reprend en fait la gamme de pochoirs Toga. Et également, une petite fiche explicative donc pour réaliser quelques pages sur votre album. Voilà. Donc, pour rappel, c'était ma boîte à scrap de la marque Toga en vente sur votre site de loisirs créatifs creapose.fr.